Bonjour les amis du yoga, je vous propose aujourd'hui une courte séance pour ouvrir le dos et étirer tout le dos. Je vous propose tout de suite de passer dans la table à quatre pieds, les épaules en dessous des poignets, les genoux, la largeur des hanches. Étirez la colonne sur l'expiration, rejoignez les deux gros orteils au sol, allez déposer le bassin vers les talons. Et sur l'inspiration, le bassin remonte, ouvrez les orteils, marchez avec les mains pour descendre en Anahatasana, ouverture du cœur. Le menton ou le front fond vers le sol, le cœur fond vers le sol. Le bassin en dessus des genoux, étirez l'arrière du dos, fermez les yeux un instant. Laissez passer le souffle dans cet étirement intense de l'arrière du dos. Et amenez cette petite phrase, ma confiance inspire les autres. Sans vous faire de mal, peut-être avancez un petit peu les coudes pour venir en sphinx. Étirez une jambe, l'autre jambe, soulevez le sternum. Allongez une jambe, l'autre jambe, souriez, ma confiance inspire les autres. La tension est depuis la base du pubis sur l'inspiration, les côtes flottantes qui s'écartent, ça va jusque au sommet du crâne, sur l'expiration ça englobe le dos, les jambes par l'arrière du dos. Encore deux fois, inspire, pousse le pubis dans le sol. Monte par l'avant, expire par l'arrière. Dernière fois. Magnifique. On va prendre le sphinx sur le côté. C'est la main droite qui s'aligne vers l'avant du tapis. Plie le genou à gauche. Viens installer ton pied sur le sol. On est sur le côté. Étire la main gauche. Regarde par-dessus ton épaule. Hello. Maintenant, pousse dans le coude pour éloigner l'oreille de l'épaule. Respire dans cet étirement en torsion. Et sur l'expiration, reviens doucement en ressentant chaque centimètre carré de peau du ventre. Lâche les deux pieds, on s'installe de l'autre côté. Le bras gauche parallèle à l'avant du tapis. Fléchis cette fois le genou droit, on passe sur le côté gauche. Crée l'espace entre l'épaule et l'oreille, respire tranquillement. Encore une inspiration, reviens sur le ventre avec conscience. Sur l'expiration, amène les mains de chaque côté de la poitrine, serre les coudes pour passer assis sur les talons, les coudes pieds au sol. Redresse la colonne, les bras vont dessiner un cercle par les côtés, les pouces regardent les fessiers, dépose les 10 doigts au sol, soulève le sternum, la nuque dans le prolongement, casse pas la nuque, préserve la nuque, visualise la pointe de tes omoplates qui se resserre ou se rapproche sur l'expiration et sur l'inspiration, de nouveau pubis. Côte flottante jusqu'en haut des clavicules par l'avant, expire par l'arrière. Reviens en table à quatre pieds. Retrousse les orteils, chien tête en bas. Premier chien tête en bas, pousse dans les mains, dos plat. Approche ou touche les talons vers le sol. Fléchis un genou, respire dans la jambe opposée, le talon se rapproche ou touche le sol. Change de côté, étire le dos, étire l'arrière des jambes, reviens en chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, ancre le pied gauche, jambe droite vers le ciel, elle monte haut. Expire, talon fessier, ouvre la hanche droite sur la hanche gauche. Ramène le genou vers la poitrine, le pied entre les mains. Inspire, étire toute la colonne. Expire, dépose le genou au sol.
Dépose le plat de la main gauche, étire-toi vers le ciel, main droite, torsion, trois respirations, vise le pouce avec l'œil gauche. Allonge la nuque dans le prolongement du dos. À la fin de la prochaine expiration, ramène la main au sol, le genou au sol. Étire la jambe droite, pied flex, la cheville à la hauteur de la hanche. Cherche l'équilibre, étire la main opposée. Grandis sur l'inspiration depuis le talon jusqu'au bout des doigts. Reviens déposer la main au sol, le genou au sol. Inspire main droite vers le ciel. Amène l'épaule droite sous l'épaule gauche et la main droite sous la main gauche. Dépose le dos de la main, le côté du bras, le côté de la tête. Inspire, monte le bras gauche vers le ciel. On peut rester là. Torsion dans le dos, étirement du dos ou amener la main sur le haut de la cuisse droite. Ferme les yeux un instant. Respire. Ma confiance inspire les autres. Le bras remonte vers le ciel, se dépose à côté du visage, pousse dans la terre, étire-toi vers le ciel. Expire dos rond. Inspire dos creux. Reviens en chien tête en bas, observe différence droite-gauche, peut-être le chien tête en bas est un petit peu plus facile. Ancre le pied droit, jambe gauche vers le ciel, deux hanches regardent le sol. Talon fessier, ouvre la hanche gauche sur la hanche droite, doucement. Reviens genou poitrine, pied entre les mains. Étire toute la colonne, dépose le genou au sol. Dépose la main droite au sol, torsion, inspire. Le bras monte, pousse dans la terre, crée l'espace. Respire, vise le pouce avec l'œil droit. Souris, ma confiance inspire les autres. Expire, amène la main au sol, le genou au sol. Jambe gauche tendue, talon hauteur des fessiers. Étire la main opposée. Trois respirations, tranquille. Amène ton attention depuis le talon jusqu'au bout des doigts. Ça va un peu plus loin. Expire. Reviens déposer le genou, la main. Main droite vers le ciel. Inspire. Et dépose le côté de la main. Le bras. Je me suis trompée. Merde, change de côté. Ok. Et deux mains au sol. Main gauche vers le ciel. Inspire. Dépose le dos de la main, le bras, le côté de la tête. Main droite vers le ciel. On peut rester là ou attraper la cuisse gauche, ferme les yeux. Respire dans la torsion du dos. Inspire, la main remonte. Dépose la main à côté du visage. Pousse dans la terre, étire-toi vers le ciel. Inspire, dos rond. Expire. Reviens en position neutre, chien tête en bas. Étire le dos, ramène les talons vers le sol. Regarde le nombril, dos rond. Planche pour 5 respirations. Étire des talons jusqu'au sommet du crâne. Fort, crée l'espace dans l'arrière du dos. Renforce tous les muscles des cuisses, du dos, des bras. Expire sur 5. On peut poser les genoux. 4, 3, 2, 1. On est sur le ventre. Les mains sont paume contre paume, les bras étirés, soulève. Pour 5, revise un point sur le sol. 4, 3, 2, 1. Redépose. On étire la main droite vers l'avant, la jambe opposée. Jambe gauche. Et on relâche. Main gauche s'étire, jambe droite. Encore. On change.
Et on change. On revient déposer les bras en cactus. Et les deux bras se soulèvent, les deux jambes se soulèvent. Respire pour 3, 2, 1. Ça va un peu plus loin. Ramène les mains à côté de la poitrine. Serre les coudes vers le buste pour passer en balasana, posture de l'enfant. Ah, les genoux sont serrés. Le front vers le sol. Relâche bien le bassin. Encore 2 respirations. Prochaine inspiration, viens chercher tes talons avec tes mains. Soulève le bassin. Installe-toi sur le sommet du crâne. Seulement si on n'a pas de problème de nuque. Rabbit pose, la posture du lièvre. Respire. Relâche la peau du visage. Et relâche la posture. Passez assis. Viens ouvrir les bras, croise les doigts. Le sternum monte. Les bras sont tendus. Relâche les mains sur les genoux. Ferme les yeux un instant. Ma confiance inspire les autres. Dépose les 10 doigts au sol et sur l'inspiration, les bras montent. Paume contre paume, pouce vers le cœur. Tu peux te féliciter d'avoir pris du temps pour toi aujourd'hui. Namasté.